pas avoir cette vision utopique, bah, peut-être qu'on serait dans un aspect très pessimiste et on aura plus tendance à régresser ou stagner qu'à avancer. Donc ça permet juste de savoir vers où on va et je pense que ça c'est quand même bien de préserver une vision utopique de vers où on va. Tout le monde a droit à une vie décente et dans un environnement qui fait qu'on ne tue pas notre environnement. Voilà par exemple un artiste pionnier tout à fait important, Max Neuhaus, qu'on devrait d'ailleurs un peu plus redécouvrir avec tout l'apport. Il a aussi beaucoup écrit, il a fait des dessins sur le son aussi, qu'on a montré notamment dans ses dessins. Et ça nous renvoie aussi à une notion ici d'écologie sonore. L'écologie sonore qui a été en fait mis en texte assez précis par Raymond Murray-Schafer. Raymond Murray-Schafer est un compositeur canadien qui, dans les années 70, a publié un livre qui s'appelle « The Soundscape, a Sonic Environment and the Tuning of the World », donc dans lequel il parle du paysage sonore et de la relation qu'il y a entre l'homme et les sons, et notre environnement sonore, et comment celui-ci change dans un monde en permanente mutation. Le voyageur en était vite réduit à accrocher les jambes à une image. Le temps passant, les images même s'effacèrent devant des sons aussi précis et ambigus que moi. Et des chansons et drôles paroles, celles qu'il avait chantées sûrement le jour où l'île était apparue, inespérée, exactement comme dans le livre de Jules Verne, Alors l'idée c'était de via processing, qui est un langage de programmation, de générer un Mondrian, des maisons. Donc on voit là il y a plusieurs cases. Si je retrouve ma souris, ici, juste celle-ci et celle-ci. Oui. Ça c'est une image qu'ils ont faite. Celle-là c'est une image qu'ils ont faite. Là elle est un peu tronquée parce qu'elle est finie là. Mais c'est une image qu'ils ont faite. Et en fait, après on a fait une capture d'écran. Et de cette capture d'écran, on l'a mis dans ce logiciel-ci qui s'appelle MMSS TV et qui retraduit chaque pixel en une fréquence sonore. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir justement, via différentes sources d'émissions de son, de recréer une image avec, par exemple, les trois images, si elles sont envoyées en même temps, on a une superposition des trois ondes sonores, et donc on a une image analogique à partir d'une image numérique. Et donc ça jouait sur la traduction entre l'image de processing et le son en même voilà. temps. Voilà, donc ça a joué à la fois sur la traduction de l'image, et ce qui était hyper intéressant, c'est justement de passer du digital à l'analogique, oui. avec toutes les pertes de données que ça considère. Tu drops ?